Salut à tous, une vidéo qu'on m'a demandé je ne sais combien de fois. Et oui, je vais enfin vous parler de cette distribution qui s'appelle la Voyager Live. Oui, désolé pour m'être un peu énervé sur le coup, mais on m'a tellement brisé les gonades pour que j'en parle, donc je vais en parler. Voilà. Donc, vous voyez, je suis sur le site officiel de la Voyager. La première version mise en avant, c'est la 16.04.2, qui est basée sur la Xubuntu de la même version. Et donc, je suis allé sur le site officiel et qu'est-ce que je vois? Ben, je vais mettre un peu plus gros. Pas besoin de traduire. Déjà, ça commence bien. Donc, je me dis, est-ce que la vidéo va s'arrêter au bout de 30 secondes ou est-ce que quand même je vais récupérer l'ISO et la tester? Réflexion intense de 5 secondes. Et oui, je vais la tester. Donc, simple remarque en passant, sans vouloir être méchant, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de dire j'arrête la distribution des ISO, je dis, je vous préviens, si tu es en pause, je m'excuse, mais je suis obligé de mettre sortir les ISO, parce que si des personnes téléchargent l'ISO qui a un bug et qui n'a pas de support technique, non, c'est un coup à vous tuer toute crédibilité. Bon, mais ça, déjà, c'est le premier point. Donc, je suis allé sur le téléchargement, donc je reviens, voilà. Donc comme ça c'est 04 qui est mis en avant, on va télécharger. Blablabla, blablabla, donc je reste tout le blabla, parce que vous voyez quand même un sacré paquet de blabla. Donc là on voit qu'il y a l'ISO 3264 bits, qui est daté apparemment de mars. Donc c'est bon, s'installe en 10 minutes hors de out of the box, pourquoi pas. Donc tout ce qui est voilà, donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations. Bref. Donc on va essayer de télécharger. Et on va se dire, on va essayer quand même. Alors que je retrouve. Voilà, donc. Je me suis dit, je vais prendre le torrent de 64 bits à 16.04.2, histoire de gagner du temps. Je vais sur l'extracteur, le lien 16.04.1.1. Ouais, premier bug. Déjà, ça donne envie. Donc, pour récupérer la 16.04.2 LTS qui pèse 1,5 Go, il faut passer par SourceForge. Pour info, la Xubuntu, la 16.04.3, d'ailleurs en date, ne pèse que 1,33 Go. Donc, déjà, on a à peu près 250 à 300 Go en plus. Espérons, c'est pas mauvais signe. Donc, j'ai récupéré l'ISO. Et là, je vais lancer l'ensemble. Vous voyez, elle fait 1,48 Go. Donc, elle fait 150 mégas de plus, en gros, en arrondissant. Donc, je vais fermer la transmission et on va lancer ce bazar. Voilà. Donc, on va se mettre en françoisiche. On met juste le live, hein, déjà, pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, gourmand du live. Donc normalement, un live doit être un peu plus gourmand parce qu'il est obligé de charger pas mal de trucs en plus en mémoire. Il est obligé d'être généraliste. Mais on va voir quand même ce que ça donne côté gourmandise au démarrage. Après, bien sûr, je lance l'installation, je mettrai en coupure, je reviendrai, je lancerai les mises à jour et on verra à quoi ressemble le bousin à jour en espérant que les mises à jour se fassent. Parce que c'est quand même bête de dire, bon, mais vous inquiétez pas, je me tire. Mais je reviendrai pour la version 18.04 qui sortira au mois d'avril. Ouais! Et pendant 6 mois, on fait quoi? On se tourne les pouces? Enfin, pas plus de 6 mois, parce que avril prochain, on est au mois d'août, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, en gros, dans. Moi, à peu près 8 mois? Dans 8 mois? Donc, pendant 8 mois, il y a seulement d'autres problèmes, mais. Vous l'avez dans le pot pour teindre la lèvre. Non, mais c'est terrible, c'est comme ça. C'est très bien, quoi. C'est très responsable. Donc, gratis grata. Je veux bien que le live soit une machine virtuelle, donc ça ralentisse, mais quand même.
Donc, déjà, on est à 500 mégas. Ça se voit pas très bien parce que c'est du gris sur du blanc. Enfin, du blanc sur du gris, c'est pas super lisible. 770. 700 mégas. 722. 734. 746. 650 mégas environ au chargement. Voilà, c'est un peu plus lisible. Donc là, on en est à 692 mégas. Je sais pas si non, c'est un conquis, donc ça n'est pas pour le voir. Mais presque 700 mégas chargés. Le gros bébé. Donc, des icônes à la flotte. On aime ou on n'aime pas. Au moins, on a échappé à l'émétique Numix. Oui, émétique. Cherchez dans un dictionnaire. Ce sera votre minute culturelle. Voilà. On a 15 trillions d'icônes vers le haut. Un panneau qui s'affiche. C'est bien. Donc, si on affiche tout, ça ne fait pas surcharger. Vous voyez, cette présentation, ça fait penser un peu à la scène de Funès avec Coluche dans le film L'aile ou la cuisse, au moment où Funès est dans la cuisine et que le cuisinier le menace d'un flingue pour finir tous les plats de malbouffe. C'est le même genre de truc, bon, qui vous tombe sur l'estomac. Donc, on a les icônes qu'on aime ou qu'on ne pourrait pas aimer, Thunderbird. Ouais, XM Dashboard, ouais, LibreOffice Writer, émetteur terminal, mousepad, gestion d'un fichier, navigateur Firefox. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Logitech? On va mettre par accessoire, c'est plus simple. Donc, blablabla. Formateur de clé USB, oui, donc il n'y a pas franchement. Oh, un antivirus! Je pensais que c'était seulement utile pour les serveurs web. Enfin, les serveurs de mail. Bon. Enfin, du moins sur mon Linux. Ouais, ensuite bureautique, donc on a LibreOffice. Ouais, donc ça c'est classique. Internet, Corbird, un client Twitter, je ne savais même pas qu'il était encore en vie. Première nouvelle. Ouais. Multimédia, Clémentine, pourquoi pas. Kodi, pourquoi pas non plus. Kazam, ça ne se prononce pas. Et outil système. Oh! Le destructeur de système, Bitchbit. Ouais, bon ben. Tout ça pour ça, hein. C'est pas. Bon, on va lancer l'installation. Ben, c'est précisé que c'est une Ubuntu 16.04.2, il n'y a même pas renommé l'installateur. Donc, on va voir le temps qu'il va m'être installé. Bien sûr, je couperai l'installation commencée. Et un jeu d'icônes de la Mac, bien sûr. Mac étant le parent, enfin, l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il faut faire sur le plan graphique. Ou pas. Donc. Je prends l'installation par défaut. Hein. C'est avec Ubuntu, blablabla. Ok. 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 Ce bon vieil Ubiquiti, c'est ce truc qui n'est pas utilisable d'Ubuntu d'ailleurs. Allez, on est parti. Bon, il est 11h06 ou 9h06, c'est comme vous voulez. Je mets la vidéo en pause, rendez-vous dans 10 minutes. À toutes. Donc, en gros, on est les 11h21, un gros quart d'heure est passé, on attaque le redémarrage. Voilà. J'en ai profité aussi pour m'avancer dans l'ordre d'attache de la première partie. Il y a un point précis qu'il faudra sur lequel je reviendrai. Qui sera intéressant à voir. Faut juste que je pense à me le noter. Parce qu'avec ma mémoire de poisson rouge. Donc, pendant que ça redémarre. On va essayer tranquillement de redémarrer. Donc j'espère que ça ne va pas mettre trois plombes à charger l'interface.
Et on va voir ce que ça donne. Miam. Donc, si je tape le mot de passe correctement, ça sera un vrai mieux. Miam. Nier. C'était quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit, donc peut-être sur bien d'extérieur. Donc là, oh, seulement 300 mégas au démarrage, c'est déjà mieux. On va attendre qu'il finisse de complètement charger l'interface. Donc à peu près encore une quinzaine de secondes. Enfin, j'étais méchant, une quinzaine de secondes. Voilà. Donc nous avons la Voyager, et toujours dans les 600 mégas au démarrage. Côté légèreté. Oh, oula! Calme-toi un peu parce que là, tu vas bientôt exploser le plafond du giga. On va attendre que ça se calme un peu. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, on va attendre quelques secondes qu'il se calme parce qu'il est monté à presque 1 giga de mémoire vive. Voilà. Respire. Respire un bon coup. Voilà, on se calme. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est rechercher les mises à jour. Alors, c'est dans le système. Paramètres peut-être. Gestionnaire de mise à jour. Voilà. Donc là, apparemment, c'est la même interface qu'auparavant. Hein. Et on va voir combien de mises à jour il nous annonce. Sachant que la version est sortie au mois de mars, en gros, il y a 5 mois, on va dire dans les 300 mises à jour à peu près. Grosso merdo. Six mégas. On va voir les détails. Ouais, donc il y a Firefox, Pidgin, antivirus. C'est vrai que les antivirus c'est ultra utile pour un poste client sur Linux. Hein. Ok, bon, mais ça, être classique. Gestion de la mise à jour. Et bon, mais connexion réseau. Les trucs classiques. Les mises à jour de Ubuntu, quoi. Il n'y a rien qui casse trois pattes à un canard, mis à part des mises à jour classiques sur une version LTS. Donc, on va lancer l'installation. Donc, je remets en pause, il est 11h25. Voilà. 11h25, je mets en pause et je vous dis rendez-vous dans 10 minutes pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. 13 minutes sont passées et on redémarre. Ouais! J'en ai profité pour faire le redatage. Deuxième partie aussi en passant. Faut bien s'occuper un peu. Le monsieur t'a demandé de redémarrer. Puisqu'il veut pas, on va lui passer la main. Voilà. Il redémarre. Mais bon, on y arrive. Joie. Donc, on va voir ce que ça donne.
et avoir exploré un peu, voir le nombre de PPA, voir tout le bazar. Mais là, ça sera peut-être mieux de passer en plein écran, une fois qu'il aura décidé de se charger. Donc, je passe en plein écran. Le monsieur t'a dit qu'il voulait passer en plein écran. D'accord. On va y aller à la hussarde. Ça continue. Donc on va mettre, puisqu'il ne veut pas m'afficher. Merci X-Render. Voilà, c'est quand même plus pratique comme ça. Donc première chose, on va voir dans Synaptique s'il y a des dépôts tiers installés ou compagnie. Là, c'est pour tout ce qui est raccourci, déconnexion de réseau, le verrouillage, lancer Firefox en mode privé apparemment. Ça c'est pour le touchpad. Bref, pourquoi pas. Ça c'est pour tout ce qui est outils d'archivage. Que faire? Ouais, ça c'est tout pour la recherche, je suppose. Dommage que ce soit un logiciel qui ne soit plus développé apparemment. Donc, propriété. Voilà. Comme ça, on aura la météo. Ça, c'est pour tout ce qui est bloc-notes. Ok, ouais, d'accord. Donc, on va voir déjà au niveau des paquets. C'est encore des paquets à mettre à jour. Donc, ça, on peut le virer. Je peux quand même purger le système des paquets qui peuvent être supprimés sans danger. Voilà, au moins on va quand même purger un peu le système. Parce qu'apparemment l'auto-remove n'est pas une option qui a été mise en place par le développeur. Pourquoi pas, après tout. C'est tellement mieux de gaver de l'espace disque pour rien. Voilà, les paquets. Donc on va mettre ces paquets pour mettre mes à jour. Et on va appliquer. Voilà. Parce qu'il y a GNOME logiciel, donc autant le proposer. Si GNOME logiciel est proposé en version stable, apparemment, autant profiter. Oui, je ne sais pas ce qu'un utilisateur lambda ferait, mais je vais largement au-dessus de lambda ici. Parce qu'il faut quand même aussi creuser un peu pour voir les coulisses. Donc les dépôts. Est-ce qu'il y a beaucoup de dépôts tiers activés? Autre logiciel. Donc il y a juste. Putain! Désolé. Regardez-moi cette suite de dépôts tiers. Il n'y a qu'un seul qui est activé, mais regardez-moi cette suite de dépôts tiers. Savez-vous planter un Ubuntu à la mode, savez-vous planter un Ubuntu à la mode de chez nous? Regardez-moi tous ces dépôts tiers qui sont désactivés par défaut. Là, c'est casse-gueule. Donc, il n'y a apparemment que le PPA pour LibreOffice qui est activé. Tant mieux. Là, on a un terminal à la Quake. Voilà, Quake, c'est comme on veut. Un terminal drop-down. Donc, Pidgin, Except Dashboard. Ok, LibreOffice Writer. On va voir LibreOffice, tiens. Parce qu'apparemment, il y a un PPA. Pour proposer une version plus récente. What the fuck?
Pourquoi proposer l'interface ruban, la ruban qui n'est pas terminée et qui est franchement illisible? What the fuck? C'est une fonctionnalité expérimentale. Parce que si on va dans les options, c'est avancé, je crois me souvenir. Alors déjà, vous n'avez rien qui s'affiche. Superbe. Rien ne s'affiche. Bravo le thème utilisé. Donc, ce moment, si je me souviens bien, c'est dans barre de menu. Disposition des barres d'outils par défaut. Voilà, c'est quand même mieux. Et si on va dans outils options. Oh, d'un seul coup, on a l'ensemble qui s'affiche. Très bien de proposer quelque chose qui n'est pas utilisable. Et je vous prouve. Ah, oh, saloperie, ça fonctionne pas. Bon, si vous voulez, mais vous savez quoi, le thème utilisé est pourri. Déjà, ça c'est dit. Aïe aïe aïe. Alors on va voir. Je vois par exemple dans Nano. Apparemment, le terminal, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas que le terminal c'est. On peut même pas agrandir. Donc, je vais simplement faire un sudo nano, etc. apt sur ce point list. Voyons. Par exemple, si je veux par exemple activer un dépôt, est-ce qu'il va m'enregistrer ça sans problème? What? D'accord. C'est-à-dire que si vous utilisez des logiciels en ligne de commande, le raccourci CTRL-X est baisé. Bon, d'accord. Merci XF Dashboard. Superbe. On ne peut même pas modifier les fichiers en ligne de commande si on en a besoin. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais là, je vous avoue que. Ça commence sérieusement à me chauffer les oreilles, cette histoire. Je sais bien que c'est pas tout le monde qui aura besoin de modifier les fichiers de commande, mais s'il a besoin un jour de modifier un fichier de commande, what the fuck, ça encore ça? Une page personnalisée. Ouais! C'est vrai que un simple. C'est trop complexe à utiliser. Hein. Même Start Page. Je veux bien qu'on veuille simplifier la vie de l'utilisateur, mais je m'excuse, on n'impose pas dessiner. C'est tout. Et Linux ne se limite pas au monde Ubuntu. Faux. Bon, déjà, bravo. Pas de bloqueur de pub. Encore mieux. Au lieu de proposer un bloqueur de pub, mais non, on va pas proposer un bloqueur de pub, on va imposer sa liste de signer. Pourquoi l'utilisateur? Comme disent les inconnus dans les sketchs publicitaires, il ne faut pas oublier que les gens sont pour des cons, mais il ne faut pas le dire non plus. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils le disent. Il ne faut pas oublier que les gens. Faut pas prendre les gens pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. Voilà. Donc, SMTube, c'est quoi ce truc? C'est peut-être une interface à un SM Player? Voilà. Pourquoi pas? Mais quelle utilité au final? Quelle utilité au final? Non mais là, plus j'avance dans cette distribution, je me dis, mais what the fuck? Désolé de dire ainsi, mais what the fuck? Donc je vais voir un truc quand même pour savoir si c'est pas le logiciel LibreOffice qui est complètement baisé. On va changer d'apparence. Donc on va prendre un thème. Si j'ai envie d'accéder. On va prendre le thème Adapta par exemple.
ou même arc. Et on va voir si LibreOffice est toujours aussi baisé au plan de l'apparence. Surtout au plan des options. Donc, le thème proposé pète les logiciels. Bon, là, je crois que il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est une preuve que cette distribution est vraiment survendue. Waouh! Donc, un petit test que je vais faire pour finir, parce que je vous montre un truc. Quand j'ai fait le redatage pour la première partie, voilà. Donc, affichage, non, c'est préférence. Voilà. C'est ici. Je note 0506 début du chargement d'interface, 26 secondes pour charger l'interface. Très bien. En mode live. Donc, je vais prendre une Xubuntu et voir le temps qu'elle met pour charger son interface. Donc là, clac, 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 stockage, voilà. Là, on va voir combien de temps on met pour charger. Je pense qu'on va attendre 10 secondes à tout casser. À partir du moment où l'interface commence à se charger, quoi. Parce que normalement, avec FCE, ça se charge très rapidement. C'est-à-dire, à partir du moment où il va commencer à changer l'interface, on va compter. Mais là, je vous jure que la Voyager, c'est une énorme déception. Pourquoi un thème explose en vol l'affichage d'un logiciel? Pourquoi? C'est la question que je pose. Un thème ne devrait pas faire ça. C'est tout. Donc là, dès que ça n'a pas changé la résolution, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, apparemment, il y a un petit bug. Sale bête, il y a un petit bug graphique, mais apparemment, en 12 secondes, l'interface est chargée. Donc là, je suis tombé sur un bug graphique de la Xubuntu, peut-être en passant plein écran. Mais bon, apparemment l'interface se charge en 12 secondes, mis à part que j'ai un bug graphique. Ça peut arriver. Donc, pour conclure, la Voyager, déjà petit 1, aucun support technique annoncé. Petit 2, Logitech surchargé, sur certains plans. Surtout, quelle utilité d'avoir un antivirus. Petit 3, pourquoi un thème explose en vol LibreOffice. Petit 4. Pourquoi proposer l'interface ruban de LibreOffice qui n'est pas terminée? Petit 5. Pourquoi une interface aussi surchargée? Donc, si on vous demande ce que vous pouvez dire à la Voyager Live, vous pouvez dire ouais, mais bon, mais passe ton chemin. Voilà. Désolé pour la conclusion un peu abrupte, mais là, j'avoue que c'est un peu chiant de vous supporter ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!